zijn in het Franse mijndorp Merlebach. Hier groeiden 3 generaties keepers op met de naam Soet. Herbert Soet voetbalde bij Metz, Valence en Roubaix. Zijn zoon Johnny speelde bij Racing Strasbourg en FC Metz. Naar kleinzoon Philippe Soet is het gemeentelijk stadion vernoemd. Maar wie was Philippe Soet? Shoot que vous voyez sur ces images qui dirige sa défense, c'est un corner tournant et déjà José Touré qui a fait le mouvement. Ça l'a pompé tout cela et il s'arrange pour tirer sur Shoot. Une demi-heure de jeu maintenant, le jeune gardien strasbourgeois Philippe Shoot va commettre un point pour Brest. C'est puissant mais Shoot sauve, c'est Brest toutefois qui l'emporte. Contrôle d'abord du pied droit, il tente de tirer du gauche, mais là, Shoot était cette fois bien sorti. Stojkovic, alors que Verkis, vous l'avez vu, lui, à son tour, parti s'échauffer. Stojkovic, toujours en dribble, c'est bon pour Papa qui va pouvoir marquer, non ? En diagonalement et vers la droite, et en se lançant pour tacler. Le gardien l'orienté. Au nombre d'occasions manquées, les Souchaliens sont les maîtres. Ici Samuel Michel, poisson tir détourné par Shoot. Souchaliens qui ont ensuite le mérite immédiatement de réagir. Toujours le duo Baudry-Bougère. Bernard Bougère qui force Zubaté à l'erreur. La frappe d'Olivier Choua et l'intervention décisive de Philippe Shoot. C'est contré, repris par De La Quintini. Et finalement Boniface ne peut conclure face à un Philippe Shoot très inspiré et très attentif sur sa ligne. La volée de Simon et parade impeccable de Philippe Shoot. Lui qui n'a encaissé que 7 buts à domicile repousse la seule tentative d'une attaque stéphanoise qui sera renforcée en priorité à la trêve. Timothée file au but, il efface Shoot, mais la base du poteau renvoie sa frappe. Pas de but donc pour Timothée et Saint-Étienne. Le lob est parfait et Lorient prend l'avantage après seulement 6 minutes. Les Merlus, eux, nagent dans le bonheur. Ils passeront les fêtes seuls en tête. Les footballeurs de Lorient sont bel et bien en première division. Fier du match de Lorient. Génial. C'est super, c'est historique, c'est génial. Génial, génial. Je les supporte depuis tout le temps, alors. On est heureux, heureux. Avec un budget de 26 millions de francs cette année, les Merlus vont devoir revoir leurs ambitions. Ils préparent déjà la saison prochaine. Faderne, il se présente seul. La finale de la Coupe de la Ligue 2000 est exceptionnelle car c'est la première fois qu'une équipe de deuxième division parvient en finale. Le football club de Guignon face au Paris Saint-Germain, le favori de cette finale. Trivino est extraordinaire jusqu'au bout, une triple parade fabuleuse. Le but de la victoire définitive. Oh,
fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per te ogni cosa che c'è. Ce soir face au Nancéen de Francis Merecki, Nancy qui surprend les Parisiens dès la 11e minute, des secours francs sans appel de Paul Fischer. Allons au remplaçant de Letizy, blessé pour un mois, n'en revient pas, mais la frappe du défenseur est imparable. La réponse parisienne à la demi-heure de jeu, louche d'Aloisio pour le Roi. Demi qui a suivi n'a plus qu'à pousser au fond, un partout, c'est le score à la pause. La seconde période est 100% parisienne, le trio d'attaque Rivern, Alex, Ronaldinho, Aloisio assiège la défense lorraine à 4 reprises. Les frappes parisiennes vont se heurter au poteau de Philippe Schut, ici c'est Arteta qui voit son tir échouer sur la barre. Un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Dans l'ultime séance des tirs au but, Jérôme Alonso effectue 3 arrêts contre 2 pour Schut. Le PSG s'impose 4 pénaltys à 3 et se qualifie pour les demi-finales. Dei segreti, e per te ogni cosa che c'è nell'anima, e per te ogni cosa che c'è nell'anima. Hommage à Philippe Schut, le FC Metz reçoit l'UNFP. La soirée qu'on avait envie de faire à Philippe, et qu'on a, c'est un petit hommage et surtout un petit clin d'œil, on pense à lui toujours, même 10 ans après sa disparition. La force et la dolcezza, è per te che il mare sa di sale, per te la notte di Natale, è per te ogni cosa che c'è, nina na, nina è. È per te ogni cosa che c'è. Et c'est parti pour le PSG, tranquille, petite course, c'est parti, l'arrêt du choc. Oui, l'arrêt de Philippe. L'arrêt du gardien de l'Est, parti l'arrêt qui remet les deux équipes à égalité. Un but partout, un pénalty. Jérôme Leroy face à Philippe Schut, sinon qui peut encore espérer. Il va falloir que Philippe sorte une grosse parade. C'est parti, et c'est l'arrêt du choc. L'arrêt de Philippe Schut, également très mal tiré. Ce pénalty de Jérôme Leroy. Mais quel match Philippe Schut, quel match. Allez, Ronaldinho avec son pied droit face à Philippe Schut. Ronaldinho et son pied droit, Philippe Schut. Allez monsieur Schut, c'est le moment de le sortir celui-là. Ronaldinho à petit pas, c'est parti. Mais non, il était parti du bon côté, Philippe Schut pourtant. Il était pourtant parti du bon côté, Philippe Schut. Avec une course un petit peu bizarre de Ronaldinho, limite, limite. En tout cas, ce pénalty est entré. Match complètement dingue. Face à Alonso devant Hakimi, et l'arrêt d'Alonso, et ça sent la fin malheureusement pour Nancy. Mauricio Pochettino face à Philippe Schut, il le marque, Paris est en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Pochettino, c'est parti, et c'est dedans. Et voilà, malheureusement, Nancy est éliminé de la Coupe de la Ligue en quart de finale par le PSG. Le PSG qui s'impose au tir au but. Ça fait 4 tirs au but à 3 pour le Paris Saint-Germain. Nancy éliminé, mais Nancy qui aura résisté jusqu'au bout.